Salut à tous, c'est Tsuma, je vais vous montrer une petite vidéo comment farmer l'Adam Ankylon. Une vidéo de plus, mais cette fois on va vous montrer comment le faire respawn plus vite, parce que c'est vrai que sur cette step le problème c'est qu'il y en a deux qui se courent après, puis après on est obligé de trouver plusieurs techniques assez longues pour pouvoir le faire respawn. Alors moi j'ai trouvé la technique de la quête. La quête sur la step, voilà, ici à peu près, là où on voit les stèles en cercle. Donc vous activez une mission ou une mission que vous avez déjà faite. Là on vous dit que vous abandonnez la mission, vous la réacceptez. Voilà, il y a une petite animation qui va se mettre en route. Bien entendu, vous la faites passer, hop là, comme ça. Et là, normalement, voilà, il y en a un tout de suite là. Tout de suite ici. Ce qui peut être bien pour faire du farm, quoi. Alors, niveau stratégie, j'ai mis un peu tout le monde attaquant, tout le monde ravageur, saboteur, parce que c'est très important de commencer en saboteur. Pour pouvoir débuff les pattes et puis bien entendu le faire tomber. Je vais rester comme ça et puis je changerai si je pense que je peux faire mieux. Normalement je le tombe en 2 minutes 30. Hein. J'ai pas besoin de me buffer parce que je prends fortifiant et écran. Même si ça revient cher, au bout d'un moment avec les lingots de patine, ça peut être rentable. Donc voilà. Commencer le combat et puis en espérant que tout se passe bien, parce que normalement c'est limite, hein. Je suis pas à fond niveau équipement. Voilà, on attend que les debuffs passent, si on est passé. Vulnérabilité. Je ne veux pas passer cet enfoiré. Voilà, dès que vulnérabilité passe, ravageur, tout le monde sur la patte gauche. Là. Ce que je fais, c'est avec le gant de Genji, je fais une queue de dragon, mais d'abord je monte à 600 d'état de choc. Voilà, là c'est bon, 650 c'est nickel. Compétence, queue de dragon. Entre temps, rechange, saboteur. Compétence, fragilité, la patte droite. Voilà, dès que le debuff est passé, on change. Vulnérabilité, patte droite. Pas passer sa mère, c'est pas passé, mais putain de merde. Voilà, ravageur, tout le monde sur cette patte de merde. Voilà, ça c'est bien ça. Dès que ça monte à 600, pareil, attaquant. Queue de dragon, on envoie la sauce, on se met comme ça. J'aurais peut-être dû mettre des ravageurs histoire de faire monter la barre de... Il a quand même envoyé son putain de machin cet enfoiré. Voilà, tac. Ouais, j'aurais dû peut-être mettre des ravageurs histoire de faire monter la barre de choc entre temps. C'est vraiment limite, hein. Quelquefois j'y arrive, c'est il me reste un demi millimètre au niveau de la barre de choc, quoi. On monte bien entendu à 999, hein. Allez putain, voilà, tout le monde attaquant. Là aussi j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais dû laisser hop en ravageur. Là je pense qu'il fait pas beaucoup de dégâts, hein. À part lightning et fang, hop, je crois qu'il sert à que dalle. Voilà, voilà, là il s'est relevé, que dragon. Voilà, allez ciao dinosaure de mes couilles.
Voilà. Et bien entendu, moi j'aurais que dalle. Hein. Ah putain de merde, ouais, mon premier. Au moins 10 heures de farmage et putain de merde. Oh. Ah ouais, ouais, ça porte bonheur de faire des putains de vidéos. Ah ouais, nickel. Nickel, nickel. Bon, je vais vous faire voir un peu l'équipement. Tac, tac. Alors moi, je suis pas encore en lance de Kane avec Fang. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bague des esprits, je l'ai montée à fond. Donc résistance alimentaire, 25%. Bague de Yaya, 40% de terre, puisque la dame Ankelom frappe toujours en terre. Donc en tout, j'ai 75% de résistance en terre et en éléments. Donc quand il met des coups de pied, ça va quoi. Il y a moyen de résister à fond quoi. Pareil pour les autres. Là, bon ça c'est un que dalle. Bac de Gaïa là, bac de Gaïa et sur hop j'avais pas mis bac des esprits. Ça coûtait un peu cher. Voilà, c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. J'essaierai de faire une autre vidéo, voir combien de temps j'ai mis avec un ravageur pendant que je débuffe. Voilà, merci à tous, c'était Tsuma, et puis si vous avez des autres techniques, lâchez vos coms. Ciao, ciao.